This is Shiki Kilib in nature. Motivation FR 3. Oh yes. Il faut comprendre une chose. Blâmer le monde autour de nous ou blâmer une situation, ça ne règle rien. Blâmer égale rien. Ça ne va pas aider votre situation du moment présent. Alors, je vais vous donner un truc. Au lieu de blâmer et de dire « Ah, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça », dites « C'est de ma faute. C'est de ma faute si ça m'est arrivé. » Consciemment ou inconsciemment, j'accepte la situation. Dites ça, ça va aider. Et là, vu que maintenant, c'est vous le problème, parce que tout part de vous, anyway. Maintenant, c'est plus facile de trouver les causes de pourquoi c'est arrivé. Des fois, c'est avec le temps. Il faut laisser le temps aller, mais il faut faire des recherches en soi. Il faut se comprendre. On est plus complexe qu'un ordinateur. Savez-vous? Mais si vous passez le trois quarts du temps à travailler, puis travailler dans la matrice, puis faire de l'argent, mais le temps que vous faites ça, vous ne travaillez pas sur votre ordinateur. Fait que les années passent, puis vous demandez toujours pourquoi ça m'arrive. Maintenant, dans la cinquième dimension, depuis le 23 septembre 2015 et depuis le Blood Moon Eclipse, l'énergie est plus élevée. OK? C'est différent. Welcome to Tribe City 1.0. OK? Paradise Island. Oh yes! Il faut être confiant de qui on est. Et pour être confiant, il faut apprendre à se connaître, il faut passer du temps avec nous-mêmes. Dans un environnement où l'énergie est très élevée. Alors, je vous suggère de venir en forêt et de méditer. Qu'il fasse beau, qu'il pleure, qu'il neige, ce n'est pas important ça. Il fait toujours beau in Tribe City. Parce que ici, on se concentre sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est positif. On est des alchimistes, OK? On prend le meilleur d'une situation qui est négative. Parce qu'il y a toujours une leçon à comprendre. Mais toute part de nous, toute part d'une pensée qui se manifeste dans notre réalité. Alors, il faut prendre conscience. Motivation FR3, j'espère que ça vous a éclairé. Peace!